Axel. Huh? Tired niggas cap. Tired niggas cap. Niggas spraying they jewels. Yeah. They ain't expecting this one. That. Facts. My bitch love Coco. Wubag baby. Wubag baby. Woo! What's up, guys? Ici c'est Pedro Salvador. On se retrouve pour un nouveau. Choco Bonnet avec mon go, le son de la veille. Mam Chocobi la légende, derrière la caméra, Scrab la marque de 142, le meilleur chanteur de la ville de Pointe-Noire. Je ne suis pas tout seul, chaque me jury, tout le monde va se présenter comme d'hab. Famille, c'est le designer and quality game director ainsi que la marque Ardo. Salut les gens, j'espère que ça va pour vous. Moi je vais très bien. C'est de la part de Kaji Kim. Ah, ils sont authentiques, moi sur tous mes réseaux, j'espère que vous allez bien. Ici pour donner de la force à mon gars Scram pour son trip, all shit. On est ensemble les gars. Bien. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. C'est Rama comme toujours, vous connaissez. Nous sommes là pour un nouveau trip, all shit. Ça va chauffer, ouais. On va appeler notre premier candidat. Vous allez le voir et peut-être apprécier son outfit. Acclamez pour le premier candidat, s'il vous plaît. Passe-toi là devant les jouets là, on regarde les jouets. Je peux te présenter. Moi je m'appelle Tadashi Dior. Tadashi Dior. Tu peux nous définir ce que tu as porté, ce quel genre de marque et tout. Je peux dire là, moi je suis dans la. Là je gère la table de multiplication par 6. Parce que ici j'ai 3 poches, ici aussi j'ai 3 poches, 3 fois 2, 6. Voilà pourquoi c'est bon. Même là, je suis en train de violer. Les gens peuvent expliquer qu'est-ce qu'il fait le casque là. Le casque là veut dire là, en même temps, je peux dire que ça me rappelle au moins mon passé. Parce que mon père qui fait le casque, voilà pourquoi. C'est bon. Après, avec le premier projet. Donc là, je passe le micro au premier jury qui va donner son avis par rapport au trip du frangin. Vous voyez un peu? Tu me rappelles ton prénom s'il te plaît? Je m'appelle Tadashi Dior. Tadashi Dior, ok. Tadashi Dior, en vrai de vrai, tu vois, ton truc il est tendu, tu vois. Et surtout, c'est osé, tu vois. Ramener un parapluie et tout, c'est de la créativité, tu vois. En gros, moi je te drôle. Mais il y a un petit détail sur ton nom, tu vois. Ton pot il est très clean, tu vois, les couleurs, je kiffe. Et ton côté un peu alpli, je kiffe, tu vois. En tout cas, mon gars, je te drôle, hein. Donc, comment il y a. Repasser, frère. Repasser, tu vois. Tu dois vraiment repasser ça. Et tout, sinon, de mon côté, la palette de couleurs, le valide. En tout cas, c'est deux de mon côté. Donc, c'est drip. C'est deux. Applaudissez, s'il vous plaît. Le deuxième jury. Ouais, salut, ça va toi? Ouais, ça va. On t'appelle comment? En fait, t'as lâché bien. Bah, au fait, j'aime trop tes couleurs, c'est trop clean, tu vois. J'aime bien, tu as essayé de ramener un truc un peu stylé, mais j'aime pas trop les casques. C'est bleu. Et t'as trop de couleurs. Si ta couleur c'est violet. Laquelle est bleue? Voilà pourquoi j'ai ramené la casque. Non, tu as mis du jaune et tu as mis du bleu. Tu as mis du casque genre bleu. Bleu, c'est, tu vois, ton bleu là, c'est trop fort. Et ton pantalon, t'as pas repassé. Ouais, t'as vu que c'était dans la caisse, donc voilà pourquoi. Non, ça définit rien en fait. Ça définit rien. Bah, t'as acheté encore des lunettes. T'as encore un petit caboulé en fait. Je sais pas quoi dire, mais j'aime bien tes baskets. Bon, je sais pas si j'appelle ça paire ou basket, mais j'aime bien. Mais en fait, je passe pas un... J'aime bien à 50%. Donc mais c'est chiche, shit. Non, c'est pas chic. Non, c'est shit. Shit. Nous, on fait bien ou quoi? Tout d'abord, j'aimerais qu'on applaudisse pour lui, en fait. C'est bon. J'aime beaucoup le côté osé. En tout cas, c'est très osé. Mais après, il y a un truc que j'ai pas trop capté en fait. Le truc sur les calculs, table de multiplication, tout ça. Faut être fort dans ton speech aussi. Tu vois un peu. Donc j'aimerais bien que tu m'expliques un peu ton speech en fait. Dans la table de multiplication. Et, je sais pas. En fait, il consiste à quoi? Ah ouais. En fait, je peux dire ici j'ai 3 poches. Tu vois? Ici aussi j'ai 3 poches. Donc mes 2 pieds là, ça veut dire 3 fois 2, 6. T'as
Et après, j'aime beaucoup le thème des couleurs. C'est très osé, j'aime beaucoup. Et prochainement, dans ton prochain outfit, je t'ai déjà dit que j'apprécie le côté osé. Mais en tant que jury, j'ai un slogan. Pour moi, c'est le charisme à Tonton. Dans ton drip, il doit avoir du charisme, même s'il est osé, mais il doit avoir du charisme. Et le charisme, ça ne se sent pas, mais ça se dégage. Donc prochainement, j'aimerais que tu me dégages ce côté-là. Applaudissez pour lui, merci beaucoup. C'est drip ou c'est chien? Ouais, drip. Drip, applaudissez pas. Salut. Ouais, salut. Comment vas-tu? Ça va, toi? Je te plais, rappelle-moi comme ça. J'appelle Tadashi. Salut, en fait, Tadashi. En fait, j'apprécie bien tes couleurs. Les couleurs, ça, c'est ça... Les couleurs, ça va et tout. J'ai aimé. T'es en thème violet, noir et blanc. Parce que j'apprécie pas, c'est le parapluie. En fait, ton parapluie. En fait, qu'est-ce que t'as. En fait, explique-moi pourquoi t'as mis le parapluie alors que nous sommes dans un endroit meublé et tout. Il n'y a pas de soleil. Et dans moi, ça peut voir en violet, voilà pourquoi j'ai mis la parasol. Bien sûr. D'accord, et le casque, en fait, le casque, je ne sais pas trop. En fait, j'apprécie, c'est trop cool, j'aime ce que tu as fait, le sacoche et tout, la couleur et tout, même pas le casque et le parapluie. En fait, j'aimerais que tu puisses dégager, c'est que ton toi. Je vois un potentiel en toi. J'aimerais que non, que tu ressors, que tu dégages de plus. Sinon, c'est clean, c'est drip. Tadashi Dior. Merci. Il a reçu, je crois, c'est quoi, 3 drips et un shit. Merci mon gars. Merci et tout. Applaudissez pour mon public. On continue notre trip en shit avec notre deuxième candidat. On l'applaudit très très fort. Je vois qu'on l'applaudit. Quand je guette au fond de mon verre, l'état de mon âme se refait. Chaque jour je me répète que ma vie serait perdue. Tous mes sentiments sont partis. Tout est parti. Ice skate comment je brille. Je remercie le Seigneur quand je prie. Tous mes sentiments sont partis. Depuis que t'es parti. Ice skate comment je brille. Je remercie le Seigneur quand je prie. Dans le noir, je rêvais dans mon meilleur. Je vous présenter. Bonsoir à tous. Moi c'est James Boy Dream, le mental piqué, on s'impose toujours dans l'excellence. Car. Tu peux me définir qu'est-ce que tu as porté, c'est quel genre de noir, c'est quel genre de pied, c'est quoi? D'accord. Ce que j'ai mis ici c'est du gilet, Brigui Mac Italie. Et ce que j'ai mis ici c'est un t-shirt Stussy, Made in Mexique. Et le jean c'est Calabasa, Weird, Steel, Supreme. Et. L'Air Force que j'ai ici, c'est une Air Force. Le design, en fait, ça a été un peu retouché, mais c'est du 2023. Ouais. Ok. Chiche et ma casquette et tout. Ma casquette, c'est en fait, c'est mon nom, en fait. Boy. Boy. Oui, c'est mon mec qui a fait le design et tout, c'est une commande. Boy. Chiche. Et mes lunettes, c'est les lunettes Prada. Prada. Ouais. Applaudissez mon gars. Le jury et tout. Ils vont donner leur avis. C'est pas à moi de donner mon avis, mais c'est au jury. Comment cela? Oh, salut mon gars. Salut. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? Non, ça va. Tu peux me rappeler ton prénom? J-Ball. J-Ball. J'ai tout aimé la façon dont tu t'es présenté et tout. Merci. En fait, je pourrais dire que non, j'ai fait hype. Et ben, je pourrais dire côté couleur, j'ai pas tout aimé. J'ai aimé le style et tout. Mais c'est côté couleur, genre ton gilet, tu devais mettre un gilet noir ou un jaune. Et ben, c'est un peu marre, c'est shit. Jebel. Tu peux m'épeler ton Jebel. Jebel, J-A-Y-B-O-Y. C'est quoi le mystère derrière Jebel? Le mystère derrière Jebel, en fait. Je suis en fait un grand fan de Lil Baby et du coup j'aime en fait tout ce qu'il fait, c'est pour cela que j'aime en fait lui ressembler son accoutrement quoi. Okay. Mais moi je garde mon visage, mon accoutrement. Tu dois le speech. Merci. Je sens le mystère dans ton attitude. Merci.
le mystère sur les couleurs des bas. Okay. En tout cas, frérot, c'est une frère. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Toujours encouragé, parce que c'est pas une mince affaire de se présenter là. C'est tout un cran. En tout cas, frérot, bravo. Merci. J'ai beau, c'est ça? Ouais, c'est J'ai beau. Au fait, moi, ce qui me plaît chez toi, c'est d'abord ta manière de t'exprimer, c'est trop cool. Au fait, t'es audacieux, un peu ça. Du coup, quand je regarde ce que t'as essayé de représenter là, c'est trop cool. Trop même cool. Et ce qui m'intrigue de mieux, bah, autour de ton cou là, fallait juste mettre. Ensuite, pourquoi t'as mis trois, je sais pas. Ça? Oui. Parce que j'aime le Nadjer et que j'aime en fait quelque chose qui est naturellement. Comme pas de Nigeria, on peut mettre l'un d'eux et l'un d'eux par la main. Mmh. On le voit très souvent. Je mélange en fait, tu vois. Ah ouais, moi selon ton mélange, bah, j'ai pas aimé. Mais en tout cas, j'aime trop ton jean, c'est une dinguerie. Merci. J'aime trop ce que tu as fait là au fait, j'ai kiffé. Merci. Mais j'aime pas ton. Je sais pas, comment je peux appeler ça. Le haut là, tu vois, c'est trop haut. Ta couleur là, ça attire trop les gens, c'est hein. Même si on dit que tu peux t'habiller, tu peux attirer tellement de couleurs, mais ta couleur là, j'ai pas aimé. Mais au final, vu que ton t-shirt est noir, il y a du jaune dessus. Bon, j'aime, c'est du gris. C'est une tuerie. Merci. Ta note. Ben, moi, je vais trouver la note de 8. Trop aimé. Bisous. Alors, Djibo, c'est ça? Oui, c'est ça. En gros, moi déjà j'ai validé parce que tu vois ton côté Adidas, tu connais ce que t'as porté, tu vois, le côté déjà je te valide, tu vois, c'est pas de mal n'importe qui de mettre des marques, de connaître et tout. Le côté là, moi j'ai kiffé, tu vois, le pétard c'est un peu juste sur ton gilet, tu vois, moi ça me rappelle un peu MTM et tout, tu vois. Mais en gros, s'il faut un peu critiquer, tu vois, tu vois là, cette robe elle est, si tu vois, c'est une Nike blanche rouge, tu vois. Et t'as ramené le rappel de la couleur, on ne sait pas, mais sur la main, tu vois. Le gilet là, jaune, c'est quelque chose qui c'est clair, vraiment, tu vois. C'est le côté qui est très chaud, en fait. Tu vois, donc moi, de mon côté, en bas, c'est chiant. Tu vois, ton truc, il est, tu vois, j'ai vu ce que tu voulais faire. Tu vois, mais moi, je me dis, moi, à ta place, je peux faire mieux que ça. Tu vois, sinon, j'ai vu l'idée, je vois, mais de toute façon, je te dis là, ça me rappelle M.T. Man. Et ici, tu vois, on est entre proches, tu vois, un peu osé pour ramener de la créativité. Et le côté que j'ai kiffé, c'est quand t'as dit qu'on design, t'as fait ça toi-même, tu vois, c'est comme moi, ça me rappelle, moi je suis designer, tout ce que je porte, j'ai fait ça moi-même. Tu vois, et le côté là, je kiffe, mec. Tu vois, mais si je te dis c'est shit, c'est pour que tu puisses faire plus qu'effort, quoi. Tu vois, avec ça, tu pourrais faire un truc terrible, mon gars. Tu vois, sinon, de mon côté, c'est shit, mec. T'as capté? Ta note. Ici, il faut te donner la note, tu vois. Je veux pas être vraiment sévère avec toi, tu vois. Moi, je te donne une note de 6. Parce que, en tout cas, Djibo, force à toi, mon gars. C'est un terrible, tu n'oublies jamais pas. Chiche! Applaudissez. Merci, mon gars. Merci beaucoup et tout. Sans oublier et tout, cher mon vieux père. Mon père spirituel. Ben Bravo Warrior. Applaudissez pour lui. Merci. Merci. En écoutant Sok Ben Braco, Sok nous ramène un peu de loin. Mais je suis pas tout seul, je suis accompagné. Le Vedi, le Dark. Il est là l'artiste à nous lui présenter. Dark Vedi. Voilà. Et tout, voilà, nous continuons notre trip pour Chit et le troisième projet. Acclamez s'il vous plaît pour le troisième projet. C'est quoi ton nom? Ton nom, les gens? Ouais. Je m'appelle Farès Lukim. Farès Lukim. Tu peux me détailler qu'est-ce que tu as porté? Ouais, je l'avais tout simplement amené. Une nouvelle marque. Une belle marque et tout. Ouais, avec Air Force. Avec la Air Force. Voilà. Donc, c'est tout? Ouais. Mais tu as pas oublié tes lunettes? C'est quoi le nom de tes lunettes? Lunettes Vogis. Ouais. Bon, mon gars, le candidat numéro 3, il s'est présenté. Donc là, je passe le micro chez nos yeux. Donc, je commence par un designer de malade. Arnaud, il va valider.
va te donner son avis vite fait. What's up, Negus? C'est quoi de ton pronom, Dini? Ouais, je me présente Fares de Kim. Fares de Kim. Et tu portes que sur toi? Pardon? Tu portes que sur toi? Amiri. Complet Amiri. Plus Air Force. Et tu vois les ice et tout, détails tout, Nico? Ouais, des accessoires, juste et simplement le King, c'est mon surnom. Le King, c'est un plus. Ok, d'accord, ok, bon. Je vais essayer un peu de dire ce que je pense. Ouais. Déjà, primo, tu vois, quand je te vois, le côté flou black, je kiffe. Ouais. Tu vois, mais façon, les gens te penchent, tu vois. Il faut ramener un peu les touches de créativité, c'est ce que je cesse de rappeler aux gens, tu vois. Ouais. Là, c'est comme si tu allais à un tournoi et tout. Bon, ça c'est clean, tu vois, si tu as l'entourement de Tupac, de Biggie, clean, Nico, X, ta chance, ça passe. Mais si tu viens pour un concours, t'habilles pas comme ça, Nico, tu vois. Ok. Déjà ta robe, tu vois, c'est du nage, tu vois, c'est un peu zonouli et tout. Le complet, tu vois, c'est trop chinois, Nico, tu vois. Faut péter les mics ou des vrais bails quand tu viens pour un concours. Soit, je préfère que je bouge à l'Afrique. Tu vois, tu pars à l'Afrique, tu rattrapes des trucs, même si c'est déjà porté, mais c'est clean, tu vois. Ça, tu vois, j'ai comme l'impression qu'on peut faire du feu avec et tout. Donc, du coup, moi, de mon côté, c'est chic. Et ici, il faut une note, tu en as 4. J'en ai 4. Chic ! Balabla. Ça va ? Ça va. Quand je vois là, je vois du Amiri Amiri. C'est une marque, vraiment, c'est trop cher. Tellement trop cher. Mais comme il vient de le dire, j'aime pas. Et ta paire là. Tu sais, quand même faire. Tu sais, nous tous, on peut mettre des erreurs, tu vois. Les lacets, j'aime pas déjà. Et tes lunettes, je sais pas, en 1995, ah, ça me pète les yeux. Et, tu mets une touche, je sais pas. Fallait bien mettre autre truc, tu vois. Amener un style un peu, tu vois, sérieux. C'est un complet que t'as mis. Et des complets, ça pète toujours. Quand tu mets un pantalon, un tige, ça rapporte rien. Mais quand c'est un complet, ça pète de ouf. Mais ce que tu viens de mettre là, j'aime pas du tout. Et du total, comme mon ami vient de le dire, c'est carrément chinois. Je sais pas si c'est du d'origine. Ok, j'ai pas de tenue, donc je peux pas valider. Okay. Du coup, pour moi, t'as un 3. C'est pas... En fait, comment je peux dire? C'est du passe. C'est pas joli. J'aime pas. J'ai pas grand chose à dire. Comme mes condisciples, j'ai vraiment pas grand chose à dire. J'aime pas du tout. Et après, t'as pas à dire que c'est du vrai parce que c'est la famille. La mairie, la vraie n'est pas 25 000. Tu parles comme concret. Sois concret dans tes arguments. Sois vrai dans tes arguments. La mairie, la vraie n'est pas 25 000. Comme a dit mon collègue, c'est beaucoup mieux d'aller à l'Afrique, nous offrir quelque chose de mieux, que de miser sur un complet par rapport à son prix, mais qui pue la merde. Ok. Donc c'est chic. Je te donne un peu de Salut. Je représente Fares Vicky. Fares. Putain, vraiment, j'ai pas aimé le complet. J'ai pas aimé le complet. En fait, Amir, ouais. En fait, j'admire la marque et tout. Mais c'est le complet. Genre, je peux toucher, s'il te plaît. Je peux toucher. C'est pas vraiment du chinois. En fait, comment tu peux dire? Quand tu donnes l'argent, quand tu sortais l'argent de ta poche et donné, tu es le Westaf. En fait, qu'est-ce que genre quand tu sortais l'argent et donné, je ne vais pas faire la vie. Enfin. Pour moi, je peux demander une dent, je ne sais pas, ça a été demandé que tu me demandes plus. Non, enfin, en fait, comment je peux dire? Je peux quand même t'encourager. En fait, le complet. Bien sûr, en fait, on met toujours en complet avec la Air Force, ça peut être toujours. Maintenant, c'est certain que je ne cherche pas et genre, c'est du chinois. C'est un chic ou bien c'est un gris? En fait, c'est un chic. Et ta note. La note, moi je peux dire la 1,5. Donc merci mon gars, nous sommes prêts dessus. C'était le deuxième affiche, je vais répéter un peu les jurés et tout. Nous sommes prêts dessus, on est là. Il y a quelque chose, il y a 100K. Je ne sais pas si tu te rends compte, il y a 100K.
pour gagner son cas. Il semble être appliqué. Courage au gars. Merci. C'est un peu d'acclamer pour lui encore. Eddy, je connais sa bouche pas, c'est réel. Ça demande beaucoup de sacrifices et encore des sacrifices. Donc, pour lui, il est là. Banco Maïji, c'est quoi ton blast? Non, c'est bien, c'est pas bien, comparable à c'est plus. Et parle un peu fort. C'est James Palmer l'incomparable, alias le révélateur de Ripper. Oh, c'est loup, c'est loup. Putain, sa mère. Chiche, applaudissons moi pour lui, les gars. S'il vous plaît. Applaudissons, c'est vrai, nous les applaudissons. Peux-tu nous définir un peu qu'est-ce que tu as mis aujourd'hui? En fait, ici, c'est le Drip Algérie, l'institution sur la colère du drapeau d'Algérie, qui est le vert, blanc et rouge. Je peux détailler en fait ta paire, le jean, la chemise. Eh bien ici c'est un force. Ouais. Jean avec du pierre, ça me à tous les amis. Eh bien ici j'ai fait un peu la différence. Là haut, j'ai mis le rouge et le vert aussi. Et pourquoi le sac rouge et le sac à dos? Ouais, ça c'est qu'on appelle le drip. Le drip. Donc d'accord. Monsieur. Moi je ne veux pas juger, donc je passe au micro. Au moment du jury, il va essayer de valider. C'est bon? Oui. Dis. Bonjour. Bonjour. Comment je t'appelle, Dida? Moi, c'est James Palmer. Comparable? Alias, c'est de réglage. Palmer ou Palmer? Palmer. Palmer. Ouais. En gros, mon gars, moi j'ai kiffé, tu vois. Je vois ce que tu as voulu faire et tout. Mais moi, je me dis, tu balances trop de détails, tu vois. Trop de couleurs là. On dirait la concelle, tu vois. Il y a trop de détails et tout, je suis un peu perdu de ton truc. Tu vois, mais sinon, je kiffe ton côté le Pomania et tout, t'as associé, tu vois, j'en parle de partout. En gros, tu vois, tu pouvais faire mieux. Tu vois, ça sert pas de tout mélanger là, pour venir, tu vois, impressionner et tout. Tu vois, tu peux être minimaliste et faire un truc, tu vois, une dinguerie de ouf, tu vois. Là, je kiffe ton truc, tu vois, t'as osé, je vois le nombre de ceintures déjà. T'as abusé, tu vois, ton pantalon, il est tout, il est un peu tiny. Si c'était un peu plus oversize, ça devait encore faire chose que, tu vois. Et ton pull, tu vois, c'est pas clean. Hein. Tu vois. Y'a pas de savon chez toi? Ouais, il y en a toujours, bien sûr. Bien sûr, mais pourquoi t'as pas clean? Moi, c'est clean. Si on a, moi, je vois, on dirait que c'est pas assez clean, c'est repéré et tout, tu vois. On dit que c'est votre point de vue, donc je vais pas. Ok, bon, bah, sinon, moi, à la base, tu vois, le seul truc que je peux apprécier, c'est que t'as osé, mais t'as pas su comment oser. Tu vois, ça, c'est ça. C'est pas peut-être qu'on dit la créativité où vous allez ramener des gens, des. Tu vois, là c'est trop zingoline, quoi. Tu vois, de mon côté c'est shit quoi. Et ici il faut te donner une note, mon gars. C'est juste parce que je te dis ta créativité, t'as osé et tout. C'est le côté que je peux te noter, tu vois. Et sinon à la base, c'est un 4 quoi. Est-ce que je sois un mot? Ouais, le seul mot que je veux te dire, c'est quoi? La prochaine fois, comme je t'ai dit, étudie un peu l'outfit, tu vois. C'est le streetwear, tu vois. Faut étudier quelque chose, ça sert pas de venir des trucs. L'école, c'est pas juste IUO. Même là, tu peux étudier, bon d'accord, je vais classer ça, 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 ça. Moi, je me dis, tu pouvais faire mieux. Tu vois ça? La prochaine fois, révise un peu ton outfit. Tu vois? Projette-toi un peu sur comment les gens vont te juger. Je te vois pas juste moi, Yami Simba, à prendre une cuisse de moment. Mais mita. Ah ouais, avant Mangi. Donc c'est un shit, c'est un truc. Déjà, j'avais dit que c'était un shit, mais bon. Il a déjà dit. Ouais, salut. Salut. Ça va toi? Oui, ça va. Oh, j'essaie de lui donner tes prénoms, t'as beaucoup de prénoms, mais j'ai préféré Ayas. C'est trop bon. Bon, parlons de ce que tu as mis sur toi. On voit un sac à dos, on voit un pull, on voit trois ceintures, on voit une paire en force mélangée des couleurs vert. C'est du vert, c'est toi? Ouais, ça c'est du vert. Ta casquette là, ça c'est du vert. Ta casquette? Oui. Ta casquette, c'est une casquette. Et tu as osé mettre le bon lunet des filles. Pourquoi? C'est pas un bon parce que c'est un style. Dis-moi, c'est des locks ou bien t'as posé? Ouais, j'ai posé. Je reviens du Niger. En fait, moi, je suis créateur, styliste et révélateur. Okay? Donc, moi, je crée mes propres trucs. Moi, je ne fais pas du copier-coller. Quand je me pavane sur Internet, on voit souvent des garçons TikTokers qui dansent sur ça. C'est comme ça, mais au fait, tu vois. Nous sommes au Congo. Voilà, mais on essaie un peu de faire professionnel. Non, tu n'as pas essayé, tu as carrément raté. Okay.
Pour moi, c'est du chic et je te donne un 3. Wow. Ouais, alors dans ton speech, tu as parlé de drapeau. Le drapeau d'Algérie, n'est-ce pas? Oui. Le drapeau d'Algérie ne comporte pas de joie. Donc sois concret dans ton speech prochainement, frérot. Ok, très bien, mais sauf que dans les drips, il y a aussi des couleurs qui sont négligées. Voilà. Dans les drips, il y a des couleurs qui sont négligées. Moi, je me focalise sur. Voilà. Mais si vous. Couleurs mises de côté, parle de tes couleurs. Ne prends pas exemple sur un drapeau. Tu as pris exemple sur un drapeau. Parle de tes couleurs. Ne parle pas d'un drapeau. Ne concrétise pas ton que soit sur un drapeau. Et après, ça a abusé quand même, on dirait, le caillou d'une vierge. Le côté sac, là. C'est trop abusé, frérot. Il y a de la Jordan, il y a de la Air Nike. C'est amusé quand même. Mais après, j'aime le côté risqué. Le côté où tu as doublé les ceintures, tout ça. Ça fait de toi en styliste. Le côté risqué des locks, c'est vrai que j'aime. Et après, le reste, frérot, j'aime pas. Merci. Moi, je te donne en 5. Merci. C'est juste, frère. Salut, toi. Salut. Rappelle-moi. C'est James Palmer. James. En fait, James, j'ai pas aimé côté couleur et tout. Côté couleur, t'as du vert. Le vert, c'est ton le blanc. Je sais pas, le rouge, le jaune, le noir. En fait, c'est pas trop. Et le casque, s'il te plaît, tu peux me donner le nom du casque? Ah, c'est bon. Bon, je vais le nom du sable. Le gozard, c'est. Le nom. Les gars, s'il vous plaît, c'est la Dudu. Pardon? C'est la Dudu. Mélanger du Jordan. T'as mélangé du Nike, la Dudu, comme tu le dis, et la Jordan. Merde, c'est pas possible. On ne mélange pas des griffes comme ça. Et des couleurs, mais c'est de la merde. En fait, quand je te vois, tu ressembles à un fou. Non, pas ça. Non, merci mon gars, on continue notre hypocrite et merci à Bishop d'avoir produit l'émission. Donc là on va accueillir notre cinquième candidat et voilà, acclame un peu pour le cinquième candidat. Tu peux te présenter devant le monde du jury, devant le public et tout. Bon, moi, c'était l'audience du géant, mais c'est vraiment bon marché. Ben, du coup, c'est pas la blague. Tu peux nous détailler quel genre d'outfit que tu as sur toi? Bon, j'ai mis un baladeur, mon chelon, genre la poste. Oui, j'ai mis un boyfriend, noir, la Jordan 8. Chiche! Tu vois, c'est frère. Et la ceinture qui se marie avec l'or. La ouais. Et des lunettes, man. Les lunettes avec ouais. C'est quoi le nom en fait? Le nom. Ah, le nom c'est James. James, oh, appelez-le pour une fois. Ils vont bien voir ton avis. Salut mon gars. Tu m'auras dit ton prénom, c'est quoi James? Ça va être Taylor James. Taylor James. Ok, on va aller au jugement, tu vois.
mon gars, en tout cas pour moi, la palette de couleurs qui est envoyée, c'est clean, tu vois, qui est très frais, tu vois. Le pétard, c'est moi qu'on dit, j'ai déjà tout le monde là, là c'est un concours, il y a 100 cas gagnés. Moi, je kiffe vraiment ton côté simple et efficace et tout. Et tu vois, mais là, je trouve qu'il manque un peu d'accessoires. Tu vois, il fallait un peu ajouter une petite sacoche, tu vois, des petites pour un peu ajouter ça aussi, tu vois. Pour voir le côté qui fraise, qui fait la palette de couleurs simple et efficace et tout. Tu vois, je te trouve que tu n'auras pas peut-être une note assez. Parce que, comme j'ai dit, il manque d'accessoires. Tu vois, tu vas ajouter un petit truc et tout. Tu vois, pour moi, c'est drôle. Mais surtout pas avec un 6. Tu vois, c'est fort. C'est fort. Ouais, ça va mon gars. Ouais, la pêche. Ouais. En fait, au mieux, j'aime trop ton haut. Deuxièmement, j'aime trop ta paire. C'est une tuerie. Tu sais quoi, tu as tiré un truc là, c'est trop simple. J'ai aimé. Il n'y a pas trop d'accessoires. Ça pèse pas. C'est simple. Et j'aime trop ton collier, au fait. Ça rappelle un mood, tu vois. On est là, un peu ça. Et t'as essayé de ramener un peu de lunettes, un peu de boucles d'oreilles. Ça fait mec frais. Au fait, t'es donc mec frais, mec élégant, mec stylé, mec sympa. Donc pour moi, c'est un drip. J'ai un 8. Wow, en vrai. Bon, mais vas-y, hein, t'as donné à fond. T'as donné à fond. C'est comme je le disais au début pour le précédent, il doit avoir ce côté charismatique aussi dans le jeu. Et moi, c'est un point fort. C'est un point que j'apprécie, que je vois, un point personnifié, bien marié les couleurs, tout ça. Alors, j'aurais préféré quand même, j'aurais bien voulu qu'il y ait la sacoche. Une petite sacoche classique, parce que là tu nous envoies du classique, une petite sacoche classique, bien envoyée, mais c'est bien envoyé, frère. Du coup, c'est jupe avec 3P et je te donne un oui. Ah oui, un oui. Oui. James, comment vas-tu? En fait, quand je t'ai vu, j'ai fly. En fait, quand tu peux dire, c'est trop chic. Trop chic, c'est simple et élégant. Simple et élégant. En fait, la simplicité emmène à beaucoup de choses, à la grandeur et tout. J'ai trop aimé côté couleur et tout. Et en fait, c'est trop chic. Pour moi, c'est drip, 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 drip. Et je te donne un 9. Un 9. Merci mon gars, merci que charismatique, j'ai sorti ça, et merci pour la force et tout. C'est un plus d'honneur que je fais bravo. Sans oublier l'artiste à ne plus présenter, H. Oliver, merci pour la présence mon gars. On va continuer avec le tout dernier dripper du premier tour et tout. Et merci à RK pour la présence, ça fait plaisir. Calcade. Le sixième candidat, s'il te plaît. Un maximum de l'euro. Oui. Un. Moi, Machia. Manco, mon gars. C'est quoi ton blague? Hein? Seigneur. Parle un peu fort, Seigneur. Seigneur, Clems. Oui, mais t'as dit qu'est-ce que t'as apporté? La place, c'est que ça doit. Parle un peu fort, moi. La place, c'est que ça doit se dire. C'est lui, d'une certaine manière. Saint-Dieu, c'est As, Notre et Relève, quand vous c'est quoi là. J'ai le t-shirt. J'ai l'impression que tu fais la publicité d'une personne. Chiche. Donc, on va continuer avec les mots que je nourris mal. On va continuer les joies de nos leurs amis. Salut, mon frère. T'es fan de Jason? Chargeur quoi? Certifié. J'ai envie de te dire que tu connais. Ben, t'es venu pour le trip ou bien c'est pour faire la pub de Jason?
Côté chichman, tu pouvais faire mieux. Parce que ton argent, c'est pas. En fait, pour moi, c'est. Tu te donnes. 4. Chiche! Yo, frère, reviens quoi. J'ai pas tapé ton plat. Seigneur. Pourquoi Seigneur? Seigneur, parce que j'ai un côté estime, bon. J'ai pas reçu la soupe. J'aime la simplicité dans les couleurs. Et après, chacun de nous représente une équipe, une famille, un clan, tout ce que tu veux. Du coup, j'apprécie le côté où tu fais ta représentation, en fait. Voilà, c'est un peu handicap tout ça. Du coup, pour moi, c'est drip. C'est propre, il y a zéro complication, tout ça. Carré, frérot. Moi, je te donne un 6. Salut. Vigo. Surtout, on a la moquée. On a démarré mon toka. Pipipipi. On a toujours pas cliqué. Ok. Bon, là, on t'appelle déjà comment? Seigneur Ken. J'aime bien ta paire. J'aime trop ta paire. Elle a la mode et c'est très cher. J'aime aussi ton chapeau en Prada. Mais là, on ne représente pas Jeza. Hein. Jeza, il est la brosa. Hein. Tu sais. Du coup, on n'est pas là pour porter des Ouaba, charges. Non. Dans la boutique, il y a plusieurs tiges. Tu n'as pas trouvé mieux. Mais j'aime bien ton jean. Le propre, c'est simple. J'aime bien. Pour moi, c'est. Vu que je suis fan aussi de Jeza aussi, je ne peux pas dénigrer l'un de mes collègues. Donc, je te donne un 4. Mais c'est un drip, c'est tout propre, ça va, continue. Bonjour. Mon gars, tu veux te rappeler ton nom, s'il te plaît? C'est bon, après, on le fait. Seigneur Klein. En tout cas, moi, sur ton drip, primo, tu vois, je respecte vraiment la personnalité que tu as portée, tu vois. Et t'assumer de porter un truc d'ici, tu vois. Beaucoup de gens vont dire que je peux porter du diesel Gucci parce que c'est qui? Pour nous, c'est une recette du blé, tu vois. On peut applaudir pour diesel, s'il vous plaît. De la bonne sauce et passons maintenant sur ton truc. Tu vois mon gars, ton t-shirt de Versailles, tu vois, et ton pantalon il est trop tiny, tu vois ça. Et du coup là tu me gardes pas à l'époque un peu de. À l'époque du danseur là, tu vois, quand tu vois, tu me rappelles à l'époque un peu du forum, tu vois, le pantalon ça va pas du faire avec le haut, tu vois. Et ta robe, tu vois, moi je suis en train de le structure et moi j'ai une lumière de marque là et ça. À l'époque, il n'aimait pas le stripper, tu vois, c'est aujourd'hui, il veut la plus se rattacher à un autre délire, tu vois. Moi, j'ai la M2000, ça c'est perso, tu vois. Et le côté que je dis sur ton pont, mec, le pont là, on ne va pas le faire avec le t-shirt, là, tu vois. Valorise, disait, tiens, moi, il y a là, t'as une lambda, balé, j'y les disait, là. Allez, gars, t'as mis ton gars, clip. Parce que si le c'est bien, tu vois, moi, de mon côté, en gros, je valide le gars, mais toi, je ne valide pas, tu vois, c'est chic, mec. Je te donne 5. Chic! Merci mon gars, j'espère que tu as écouté, tu as pris note. Peut-être la prochaine fois que tu vas faire, tu vas faire un truc. Et merci pour Jay-Z et tout, le t-shirt, continue à donner la force. Je me check, en tout cas, je vais pas le faire. Da, s'il te plaît, mon gars, devant la cam. Applaudissez pour Da Brice. C'est bon. Pour les finalistes, voilà, on a. Moi, chez Gar, on continue notre bossy. On va payer le premier finaliste. Il viendra présenter son outfit. Et merci à toi, Abou, d'avoir peut-être. Voilà, tu connais quand même mon gars. Et on va payer le premier finaliste. Le premier finaliste, s'il te plaît, man. Bonsoir, à toi. Encore de présenter, s'il te plaît. Moi, c'est Jeff Wally. Et tu peux nous voilà, un peu détailler ton outfit et tout. Outfit, ce que j'ai mis, c'est un pantalon large, genre drip. Et en bas, c'est faire Jordan 1. Et en haut, c'est un manteau turc. Ton t-shirt, non? Mon t-shirt, c'est en Tommy. En Tommy, ça vaut. C'est bon, c'est pas grave. Et tes lunettes, ouais. Mes lunettes, c'est la Givenchy première version.
Chiche. Donc, je passe le micro au premier jury. Tu vas essayer un peu de décortiquer ton affiche. Ça te va? Ouais, bonsoir mon gars. Et c'est déjà quoi le prénom du gars? J-Boy. J-Boy. Ah, en tout cas là, Primo, t'as envoyé un truc là, tu t'es encore combiné et tout. Déjà, mon objectif est délire. Peut-être un peu le problème, c'est sur l'assemblage des pièces, mais tout quand je vois ce que tu voulais faire, tu vois, je valide déjà, tu vois. Je valide déjà et. Déjà le détail des lunettes, je valide déjà, tu vois, la casquette et tout. T'as le rappel des couleurs en bas, t'as pas aller sur du bleu, du blanc, du rouge. En tout cas, le problème, c'est juste moi, franchement, j'ai dit, c'est sur l'assemblage, tu vois. Mais sinon, en gros, je te jure, moi, je te donne, c'est juste peut-être que ce que t'as mis là, c'était peut-être plus élancé encore, tu vois, par rapport à la tête, ça devait être un truc terrible, tu vois, mais t'as fait avec. Déjà, pour moi, c'est drôle, hein, tu vois. Je vois ce que tu voulais faire, tu vois, de toute façon, je t'ai dit là, mais tu vas encore faire mieux. Est-ce que tu as fait là, pour moi, c'est drôle, parce que. Et quand je donne la note pour moi, je dis qu'il y a un peu des. Tu vois, ça rend un peu des imbéciles, mais moi je te donne un 6. Chiche ! On te revoit encore donc. Tu viens de nous parler de ta gendarme. Au fait, ton association des habits là, j'aime pas. J'aime pas trop. Surtout ton haut là, je comprends pas. T'as tendance à mélanger les casquettes et les touches. Pardon? T'as tendance à mélanger les casquettes et les touches. Ouais, en fait, c'est mon mood, en fait. Ah, je vois. Si un truc que j'aime chez toi, c'est juste tes lunettes. Et j'aime pas le chiche. Ça fait genre bébé, genre ma soublin, tu vois. Chiche? Mais oui! Tu vois, on peut vendre des trucs dans la boutique, mais ça a expiré. C'est pas acheté ici, tu peux voir. Non, c'est acheté ici. Oh, donc tu dis que tu étais allé à la France. Non, c'est comment j'ai commandé ça. C'est en France. J'ai acheté ça. On m'a acheté ça depuis les États-Unis. Oh non. J'ai mal, m'a dit. C'est pas vrai. Tu peux voir. J'ai vu, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Tu peux voir. Non, j'ai vu, mais c'est pas ça. Hey, mon gars, le donc, son, moi, là. Tu peux voir. Zoom, le tout. Zoom. C'est 45 dollars. 45 dollars ne représente rien. Tu t'es mal habillé. J'ai pas aimé. C'est très mal classé. Très très mal. Merci. Donc pour moi, c'est un chic. Je te donne un 4. Tu as parlé de manteau turc. Oui. C'est la fourrure. Parce qu'en tout cas, c'est bien envoyé. Le mood. Tout ça, j'ai remarqué depuis le début, c'est ça, on avait depuis le début. C'est bien gardé. Le truc, c'est juste que j'aurais beaucoup préféré, personnellement, que tu gardes la même gimmick qu'au début, et que tu apportes une nouvelle correction par rapport à ta gimmick. Par rapport aux reproches qui ont été faits, en fait, depuis le début. Parce que là, c'est bien fait, tu vois, je vois l'idée. C'est bien fait, et qu'on voit trop de code. Il y a du hype figure, il y a de la Jordan 1. Après, là, je vois en volt. Déjà qu'on est dans la chaleur, tu nous apportes encore plus de volt. Tu vois. Mais bien fait, frérot. Moi, c'est un drip. Je te donne un 5. Chiche ! Je te peux rappeler mon opinion. J'ai bon. Bon, avant, je vais ramener du vert, du rouge. En fait, je trouve que non. En fait, ce que tu as fait là, c'est encore. Pire. Encore pire que ça. Ouais, man, je jure. En fait, j'ai pas aimé. Genre, je sais pas quoi te dire, ma Caro, j'ai pas aimé. Ça chie. Pour moi, je te donne 2. Les jurés ont validé. Aïe. On attend les résultats. Merci. Merci. Là, tu vas perdre des abonnés. Combien? La vie de ma mère. Aujourd'hui, on a pris les trippers. Ils ont osé. Ils ont tout fait. En fait, l'Afrique, en fait. Ils ont tout mis sur eux. Donc là, on appelle deuxième candidat de la finale. Deuxième candidat, s'il te plaît, Maïdi. Acclamez-le, pour vous. Le boulet, ma beau. Bonsoir, Maïdi. C'est quoi la dégaine? Je voulais dire, qu'est-ce que tu as mis en toi, sur toi, pour toi? J'ai mis. Ça, c'est tout blanc. Et on dit, ça, ça revient de moi.
Ça, c'est pour le peur, comment ça fait. C'est quoi la peur? C'est une Jordan 11, 15. C'est la toute dernière Jordan 15. Chiche! Et mes lunettes, c'est quand même. On rappelle aux couleurs, le jean et la paire. Chiche! Appelle ça pour lui, les gars! En fait, Maï dit ce que je peux te dire avec ce que tu as fait, c'est complètement waouh. C'est trop waouh. En fait, mais il y a un petit souci, genre l'eau. Tu devais mettre, comment est-ce que vous appelez ça les gars? Le truc, la pique que Dazer met là, le cintre là. Ouais. Tu trouves que tu devais mettre ici, tu devais être mieux. Tu devais être mieux. Mais sinon, j'ai aimé ces tripes. Pour moi, t'as un 8. On m'a dit bien qu'on est bien attrapé, ice. Par contre, t'as gardé la pêche. T'as gardé la pêche, pas trop serré. Même bail, même tout. Tu kiffes. Pas grand chose à dire, t'es dur. Je te redonne quand même la même note. Je te donne un 8. Un 8. Le revoilà encore. Bon gars. Tout ce que je peux te dire est que. Fallait que tu ajoutes un truc pour vous, mais ça fait l'affaire. Tu as juste deux couleurs sur toi et j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment apprécié. Genre ta ceinture, ça ramène un autre voix, un peu dingue, un peu tatoué. T'es pas comme moi à fond tatoué. J'aimais le style des gants. Toi, tu as deux couleurs, c'est trop chic en fait. Mais c'est pas chic, c'est un dream complètement de malade. Ouais. C'est ça qu'on appelle un gars en commun. Donc pour moi c'est un drip, je te donne un 8. Alors mon gars, tu peux un peu rappeler le blaze s'il te plaît? C'était Lord James. C'était Lord James. Ouais. En tout cas moi, je suis un peu aux années, tu vois. Moi je suis pas trop à fond sur le mood genre Jordan 1, c'était le top, tu vois. Quand on parle de la mode c'est d'abord le style qui compte, tu vois. La mode c'est notre ancien client à la boutique, tu vois. Mais quand t'as du style, tu vois, c'est autre chose, tu vois. Moi, je kiffe déjà le bilan que tu as ramené, tu vois, c'est bien, façon, mais le pétard, c'est sur la sexualisation. J'étais dit ça, mec, tu vois, là, tu vas ramener un petit truc là qui peut encore vraiment redonner sur ce que tu as fait, tu vois. Quand je vois la palette de couleurs, tu as souri. Tu vois, le cerveau, il est blanc, ça passe. La ceinture et tout, quand je vois, t'as même, il y a vraiment le côté truc, tu vois, on voit les ice et tout ça, tu vois, c'est clean. Tu vois, mais le problème, c'est juste au niveau de l'accessoirisation, tu vois. Je te jure, frère, tu peux vraiment faire mieux, mais surtout que c'est un concours, tu vois, il y a 100K à gagner, man. Tu vois, t'as pas venu à 100K comme un gars qu'on va voir dans la route, tu vois. Ça, je peux marcher tranquille, moi, je peux pas rendre un comme toi. Mais j'ai pas le balai 100K parce qu'il est frais. Tu vois, là, c'est le concours, tu vois, faut tout donner, faut vraiment être là, tu vois, sinon ton truc, c'est ton truc. Mais la note là, man, c'est 6, frère, tu vois. Chiche! Tu as fait du lourd, man. Tu as ramené un monde. Et merci. Amadji, Djibouti. Là, on va réunir le troisième candidat de la finale. Il est où le troisième candidat? Bon, bonsoir mon gars. C'est Kadhafi, non? Qu'est-ce que t'as mis sur toi? Oh, c'est du Mortal Kombat. K.O. Donc moi je passe le micro au jury. Je vais pas trop parler pour toi, frère. Bonsoir mon gars. C'est déjà quoi le prénom s'il te plaît? Tadashi. Tadashi. En tout cas, Tadashi, tu me rappelles moi en 2013-2014, mec, tu vois, quand je vois le masque et tout, je kiffe, tu vois. C'est le côté osé là, tu vois, c'est ce qu'on veut, mec, tu vois. Ne venez pas comme les mecs qu'on va croiser et tout, c'est un concours. Tu vois. Et quand je vois un peu la palette de couleurs, même si c'est pas vraiment ça, hein, mon gars, t'as tué. Tu vois, non. Ah, ça c'est un peu, j'ai au moins vu un petit 50%. Quand je vais aller chez moi, je vais me dire qu'il y a au moins quelqu'un qui a fait quelque chose. Tu vois ça? Pour voir, en tout cas, je te jure, quand je te vois là, c'est tendu. Tu comprends, moi, c'est ça, c'est réel. C'est ça qu'on appelle le vinello. C'est ça, man. Ah, en tout cas, ça c'est des frames de clips, ça c'est des frames de. Toujours, faut bien les humains. Faut bien les revelations. Ah, mon gars, ça. Ça c'est un truc, tu vois ça, pour moi, la première fois pas, tu m'excuses, je suis trop cher en notes, mais je te donne un 8. C'est terrible.
Ouais, rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît. T'as lâché de la légende. Mais sérieux, tu m'as tué là. C'est la fin. Mais en tout cas, j'aime trop ton Louis Vuitton, ta poche, genre les marques de la main là. Moi, je vais t'appeler même XOR là. T'es trop beau. T'es chérie. Mais non, attends, j'aime trop ton pont. Avec le basket là, ça va, ça fait l'affaire. Trop l'affaire même. Viens me saluer, s'il te plaît. Oh non. Ça va, je suis aimée. Donc pour moi c'est un dream carrément, je te donne un 9. Oh, bravo. Dashi. Tadashi. Kagami. En vrai, japonais en vrai. Kadashi Kagami. Et après, je kiffe le côté où tu as misé sur ma marque classique préférée, qui en est l'envie à toi. Le côté squat, tout ça. Très osé, validé. Le masque est beaucoup osé. En vrai. Tu peux faire un petit speech sur ton truc. Un petit discours sur ton truc. Discours, vas-y. Parce que moi, en vrai, je compte te donner 5. Tu me fais un bon speech, je te donne en 8 sans 10. Chiche ! Prends le micro. Je peux dire comment. À propos de. T'as des gains. En fait, je suis en mode mental, combat, voilà pour moi. Voilà. Combat de mec. Combat de mec. À propos de ces films, on parlait des. Je peux dire, problèmes, on peut dire, bagarre et mort et comme ça, comme ça. Gang. Ça, on a fait un combat. Continue avec le tout dernier jour. Du coup, pas grand chose à dire. Attends-moi tout à l'heure. J'ai envie de comprendre. En fait, Tadashi, je suis ému. Pourquoi je suis ému? Trop même. Ouais, gars, t'as tapé fort. Voilà, il t'a tapé fort. Bon, j'ai pas grand chose à dire, c'est drip. T'as vraiment drip, j'ai aimé, trop aimé. Moi, t'as un merci. Voilà, merci mon gars, je peux te reposer, on va te taiser le courant. Et j'en ai aussi peut-être dans une minute. C'est bon? Mais ça va vite fait. L'oubli est débat, sans recul, sans la haine. Donc là, on passe le micro au vieux père, on va avoir le son carrément. Ma boxe à mener. Donc le vieux père va désigner le gars qui rebelle son cachet. Avant tout, je tenais d'abord à vous remercier d'avoir pensé à nous faire venir ici. J'ai kiffé l'initiative. C'est vrai qu'à la fin, je vais faire certaines reproches. Mais en tout cas, félicitations d'abord à vous et bravo. Bon. Le vainqueur. Là, on va juger selon les points. Et quand je suis en train de lire, je vois une seule personne avoir plus de points que les autres. C'est Tadashi. Avec combien de points t'as 34 points. Chiche, j'appelle ça pour nous. Je suis très fier. Tu fais aussi la créativité. En tout cas, félicitations à toi et félicitations aux autres aussi. Chiche. Bravo. Merci mon gars. Je reviens que sans toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire aux autres qui veulent passer au prochain jeu pour Chiche? Même les plus gros, on m'avait dérangé à l'heure. Non, jamais. Et ton mot de la fin, maman, ouais. Au mot de la fin, Dior, comment va? Parle fort!